matin. Merci encore une fois d'avoir choisi de venir adorer Jésus au portail et de me donner l'opportunité de vous enseigner. Comment ça va? Que je peux entendre Alléluia! Nouvelle série de 7 messages jusqu'à Pâques qui se nomme Prophétie d'Ésaïe pour ta vie. Dans la section centrale du prophète Ésaïe, du livre du prophète Ésaïe, donc chapitre 40 à 55, on a parmi les plus belles promesses de la parole de Dieu. Et on passe thématiquement de manière textuelle au travers, justement, cette section, le cœur d'Ésaïe. Et pour comprendre, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, qui est Ésaïe? Ésaïe est un prophète. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. On peut dire que c'est le prédicateur de l'Ancienne Alliance, c'est le pasteur de l'Antiquité. Donc, Ésaïe est un bon pasteur. Il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ, dans une époque où c'était une belle époque avec le roi Ézéchias, notamment, qui est un des plus grands rois. Mais à la fin de sa vie, le roi Ézéchias va pécher, va tomber dans l'orgueil. Et Dieu va apporter une condamnation sur ce royaume qui a rejeté Dieu. Il lui a dit, Dieu va lui dire, dans des années plus tard, dans 150, une centaine d'années environ, le peuple va être emmené à Babylone, dans une terre étrangère, pour être captif. Et Ésaïe prophétise, annonce une promesse de consolation à ce peuple qui, dans l'avenir, va être emmené en captivité et par ce fait même, il annonce la venue de Jésus. Donc, cette section, c'est non seulement une section prophétique accomplie, mais ça nous parle de notre réalité, de ce que Jésus fait dans ta vie aujourd'hui. Et si tu es excité par ce que Jésus fait dans ta vie, est-ce que je peux entendre un « Amen » ? OK. Donc, on continue là où on s'est laissé la semaine dernière après avoir introduit la raison de sa prophétie. Donc, il parle de la consolation, Dieu console, chapitre 40 à 41. On reprend à la fin du chapitre 41 où Dieu maintenant va expliquer la source du problème. Donc, je commence la lecture, Ésaïe 41, le verset 21 à 29. Présentez votre cause, dit le Seigneur. Produisez vos preuves, dit le roi de Jacob. Annoncez ce qui est encore à venir et nous saurons que vous êtes des dieux. Vous êtes moins que rien, votre action est moins connue que le néant. C'est une abomination que de vous choisir. Je l'ai suscité du nord, il est venu. Depuis le levant, il invoque mon nom. Il piétine les dirigeants comme de la boue, comme de l'argile qui foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions? Longtemps à l'avance pour que nous disions, c'est juste. Le premier arrivé à Sion dit, ils sont là à Jérusalem, je donne un porteur de bonnes nouvelles. Eux tous ne sont rien, leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles soufflent et chaos. Maintenant, pour te mettre en contexte, Ésaïe parle du problème fondamental de l'être humain, c'est que nous sommes tous idolâtres. Maintenant, ne le dis pas à la personne à côté de toi, mais tu peux la regarder discrètement. Oui, il y a un idolâtre assis à ta gauche, un idolâtre à ta droite. Ne le dis pas, c'est entre toi et moi, mais cette église est pleine d'idolâtres. À la base, même le problème de l'humanité n'est pas le péché, parce que le péché, la conséquence d'une idolâtrie dans le cœur, c'est la conséquence du fait qu'on met d'autres choses que Dieu à la première place dans nos cœurs. Et alors qu'Ésaïe annonce la promesse, la consolation, il doit aller, il veut déterrer la racine du problème, il dit « voici, chaque personne adore des idoles ». Maintenant, il faut comprendre, si tu nous visites ce matin, et tu dis « bon, mais une idole, c'est quoi le problème dans la culture populaire? Moi, mon idole, c'est Carey Price, je ne vois pas où est le problème. Je ne prie pas Jésus et Carey, c'est deux choses différentes. » La culture populaire a emprunté la définition d'idole d'un mot dans la Bible. Idole, c'était les statues qu'on adorait au lieu du vrai Dieu. Maintenant, quand la Bible parle d'idole, elle parle beaucoup plus qu'une statue. L'erreur moderne, c'est de croire que l'idolâtrie, c'est s'agenouiller devant une statue, alors que l'idolâtrie, c'est tout ce que tu mets à la place de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire à la fin de son épître, « Gardez-vous des idoles. » C'est Blaise Pascal qui dit, « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et nul autre que lui ne peut le combler. » Jean Calvin a dit, « Le cœur humain est une perpétuelle fabrique d'idoles. » Et fondamentalement, par naissance et même en tant que chrétien, notre plus grand problème, c'est qu'on remplace Dieu, c'est qu'on se donne des substituts à notre Dieu. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on est dans un monde de faux? Regardez nos maisons, c'est drôle. Parce qu'on a de faux planchers de bois, avec un faux mur de briques, on est assis sur un faux fauteuil, sur un fauteuil de faux cuir, et on regarde un faux foyer. Spirituellement, on fait la même chose. On remplace Dieu par un paquet d'affaires. Et en fait, l'idolâtrie, fondamentalement, c'est quoi? C'est chercher ton identité, ta sécurité, ton refuge, ton bonheur dans autre chose qu'en Jésus-Christ. Oh, j'ai juste un « amen » à ça. Parce que je vais vous citer un verset que je n'ai jamais dit.
Tu ne l'as jamais entendu, mais la Bible dit que tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Donc, le bonheur est en lui, le refuge est en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres choses qui te donnent du bonheur, d'autres choses qui influencent ton identité. Ce que ça dit, c'est que la source du bonheur, la source de l'identité, la source de ta sécurité, elle est en Dieu, elle n'est pas dans les choses de ce monde. Et l'être humain, on est idolâtre. Pourquoi? Parce qu'on met notre identité, notre refuge, notre bonheur dans plein d'autres choses, dans le travail, dans l'argent, dans le sexe, loisir, l'alcool, la nourriture, le magasinage. Même quelquefois, un conjoint peut devenir une idole parce qu'on croit... Écoute-moi bien, ta femme et ton mari ne pourront jamais faire ce que Jésus seul peut faire dans ta vie. Si ton bonheur dépend d'une personne, tu es dans le trouble. Souvent même, c'est nos familles, nos enfants. Moi, je suis un homme de famille. Mais encore une fois, ta famille ne peut pas... Souvent de fois, on fait des compromis dans notre foi pour la famille et ta famille est devenue ton idole. Et ta famille ne te donnera jamais ce que Jésus seul peut te donner. Donc, c'est ce qu'Isaïe est en train de dire. Le problème fondamental, c'est l'idolâtrie. Je vais y revenir. Il continue dans un autre message. Il dit, la preuve que le Dieu de la Bible est supérieur, il y en a plusieurs là, mais il va parler d'une chose. Une des choses qui démontre que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu, c'est la prédiction, c'est la prophétie. Il y a de nombreuses prophéties. Dieu a annoncé d'avance des choses. Et ces choses se sont accomplies et c'est la preuve que le Dieu de la Bible est Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Est-ce que des gens ici étaient capables de prédire l'avenir? OK, ma femme a plein de dons, mais assurément, elle n'a pas le don de prophétie. Cette semaine, vous savez, nous, les lundis, on va faire l'épicerie, mon épouse va faire l'épicerie, et elle écrit le menu. Est-ce que les gens, vous faites ça lundi, on va manger ça, mardi, mercredi? OK, sinon, faites-le, c'est une bonne chose, c'est correct. Et mon épouse avait décidé que le jour où il y a eu la tempête du siècle, elle, sur son petit papier, elle avait écrit, c'est là qu'on va inaugurer le barbecue, on mange des hamburgers. Je dis, non, toi, tu serais une très mauvaise prophète. Maintenant, Dieu l'a longtemps annoncé, et on le voit là-dedans dans le texte rapidement. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous l'avez peut-être manqué. Lorsqu'il dit au verset 25, je l'ai suscité du Nord, c'est que Dieu dit, « Voici le jugement, mon peuple va aller en captivité, mais j'ai déjà pourvu la délivrance. J'ai déjà pourvu, cet homme-là s'appelle Cyrus, avec le roi de Perse, qui va vous permettre de revenir de Babylone, de revenir en Israël. 150 ans d'avance, Dieu va nommer le libérateur d'Israël. » C'est comme si moi, ce matin, je vous disais, j'ai un scoop, je vais vous nommer le président des États-Unis en 2167. Maintenant, c'est ce que Dieu fait. Et Dieu annonce non seulement Cyrus, il annonce, plus il dit, je vous donne un porteur de bonnes nouvelles. Qui est ce porteur de bonnes nouvelles? Et là, Isaïe, en passant, Isaïe 40, on va voir au fur et à mesure qu'on progresse, Isaïe révèle l'identité du Messie. Mais entre nous, là, pas obligé de le répéter, mais ici, là, il parle de Jésus. Il parle de Jésus, tranquillement. Il est en train de dire, voici, ne mets pas ta confiance dans toutes sortes de choses, mets ta confiance en Dieu. Et mettre sa confiance en Dieu, c'est travailler très, très fort, mettre tous nos efforts pour que tout ait toujours rapport avec Jésus dans nos vies. Et vous savez, moi, de plus en plus, je suis invité à l'extérieur pour enseigner le christocentrisme, c'est-à-dire comment avoir une vie centrée sur Jésus. Mais la réalité, souvent, les pasteurs vont me dire, on aimerait que tu enseignes parce qu'on trouve que c'est une utilité, c'est une nécessité. Écoutez-moi bien, être christocentrique n'est pas une nécessité. Ne pas l'être est un péché. Parce que si tu n'es pas centré sur Jésus, tu es centré sur autre chose, et ça s'appelle de l'idolâtrie. De dire que tout a rapport avec Jésus, ce n'est pas un beau slogan. Encore une fois, dans ma vie, c'est mon plus grand combat, c'est ma plus grande bataille, de mettre tous mes efforts et continuellement de me prêcher, de me ramener, d'être centré sur Jésus parce que ça n'a pas rapport avec moi, ça n'a pas rapport avec toi, ça n'a pas rapport avec ce monde, ça a rapport avec la gloire de Dieu. Il dit, ça, c'est notre problème. Et regardez, verset 42, chapitre 42, 1 à 9. Maintenant, Isaïe va révéler la solution. On commence à révéler la solution. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, que j'ai agréé. J'ai mis sur lui mon souffle, roi en hébreu, le souffle qu'on traduit aussi l'esprit. Il imposera l'équité aux nations, il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne se fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille, il imposera loyalement l'équité, il ne vacillera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Les îles attendent sa loi. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main.
Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier de la maison de détention, les habitants des ténèbres. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Le passé est arrivé, je vous annonce du nouveau, avant que cela ne germe, je vous l'ai fait entendre. On parle de qui ici? Nous, on a un avantage que le peuple d'Israël n'avait pas. C'est au 6e siècle avant Jésus-Christ. On parle de qui? On parle de Jésus. Isaïe est en train de dire, voici, Jésus est l'ultime serviteur, Seigneur et Sauveur. Alors qu'on a tendance à se confier, à trouver notre bonheur, notre refuge dans plein de trucs, Isaïe révèle que la solution, c'est seulement Jésus qui peut combler le vide qui est à l'intérieur de toi. Jésus peut combler le vide que la nourriture, la sexualité... Vous avez compris. La sexuality. Il peut combler ce que toutes ces choses ne peuvent combler, ce que personne ne peut combler. Il nous dit, il est l'ultime serviteur. C'est intéressant parce que dans Isaïe, Isaïe parle de plusieurs serviteurs. Il va dire Israël est serviteur. Il va parler à un moment donné d'Éliakim est un serviteur. Isaïe est un serviteur. Cyrus est un serviteur. Mais Jésus est l'ultime serviteur. Pourquoi? Parce que Jésus est et accomplit ce qu'aucun serviteur dans la Bible ne put être et accomplir. Et non seulement il est l'ultime serviteur, il est l'ultime Seigneur. OK, mes amis, quel est ton verset préféré que tu aimes citer à tour de bras? OK, dites-le. Okay, nommez-moi, on est bon dans les références bibliques, nommez-moi le verset. Non, citez le verset. Ah, car Dieu a tant aimé le monde, oui. OK. OK. D'autres choses? Quel est votre verset préféré? Comment? L'Éternel est mon berger. Oui, les autres? De ce côté-là, est-ce que vous avez des versets? Est-ce que vous avez une Bible? Oui. Car rien n'est impossible à Dieu. On aime citer des versets. Maintenant, est-ce que vous savez le verset préféré? Je dis le verset préféré de Dieu, OK? Je spécule un peu. Mais Isaïe 42, 1. Lorsque Jésus a passé dans les eaux du baptême, la voix qui s'est fait entendre le Père a cité Isaïe 42, 1. Pourquoi? Parce que Jésus est l'ultime Seigneur, il est Dieu. Il est celui, et trois fois ça dit, il vient établir l'équité. Le mot c'est mishpat en hébreu, c'est la justice. C'est plus que, souvent on pense la justice qui est juste, qui est droit. Non, non, c'est Jésus va venir établir le royaume de Dieu à la manière de Dieu. Il va établir l'ordre de Dieu. Vous savez, lorsqu'on va arriver au ciel, je ne sais pas si Frank Sinatra va être là, mais au bout de l'histoire, une seule personne va se lever et va dire « I did it my way, c'est Jésus! » Ça, c'est une illustration pour les plus vieux d'entre nous, OK? Il est l'ultime sauveur. Ce que j'aime de Jésus, c'est que c'est un gentleman, son œuvre, son ministère n'est pas agressante. Il ne criera pas. Il y a du monde, on s'est tellement fait crier après qu'on n'a pas le goût de se faire crier après par Dieu. Il ne criera pas. Vous savez, je fais du crossfit, je fais des compétitions une fois de temps en temps. Puis quand tu fais une compétition, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, tu es au bout de tes ressources, tu es fatigué, puis là, il faut que tu fasses une répétition de plus. Puis, puis moi, j'ai du monde autour de moi, c'est des crieux. Ah ouais, Gaëtan! Puis moi, je suis à terre, je suis en train de faire le bacon, je suis au bout de mes ressources. Ah ouais, encore, encore, une autre répétition. Lève la barre! Puis ça tourne, puis il y a du monde que ça fonctionne. Pas moi. Time out. Non, 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 crie-moi pas après, là. Puis là, la dernière fois, avec mon coach, ça va commencer, puis là, je vais le voir, je dis, OK. Je dis, attends, tu me cries pas après, hein? Puis il comprenait pas, je dis, moi, si tu me cries après, j'arrête tout, là. Moi, je suis pas bon quand on me crie après. Puis là, c'est drôle parce que je suis en train de faire les affaires, puis là, tous les autres coachs, ils criaient après tout le monde, puis ils étaient là, « Let's go, mon chum. Vas-y, mon ami. Vas-y. » Avec, il y avait une douceur dans l'encouragement. Jésus est doux. Il t'encourage. La vie n'est pas facile. Puis il t'encourage tranquillement. Puis quand tu tombes, il ne te crie pas après, « Let's go, mon ami. Let's go, mon enfant. Je suis avec toi. » Il est l'ultime sauveur. Il ne vacille pas, il ne ploie pas. Il ne va pas éteindre la mèche qui vacille, il ne va pas briser le roseau qui ploie.
Il ne vacille pas, il ne ploie pas. C'est pour ça qu'il est l'ultime sauveur. Moi, j'avais une amie, elle avait peur du sang, elle avait peur des piqûres et elle voulait être infirmière. Ça ne fonctionne pas. Et Jésus est capable de sauver. Pourquoi? Parce qu'il a une force infinie en lui. Il ne se fatigue pas. Non seulement il est l'ultime sauveur, il est l'ultime médiateur. C'est-à-dire, Dieu dit, par la bouche du prophète Isaïe, « Au travers de Jésus, je ferai mon alliance. » Mon ami, peut-être que tu nous visites ce matin, peut-être que ça fait quelques semaines que tu viens, mais je veux juste te dire qu'à la base, tu es ennemi avec Dieu. Tu es séparé de Dieu. Ta relation avec Dieu, elle est brisée. Et Jésus me permet de dire ce matin, « Je t'en prie, sois réconcilié avec Dieu. » Jésus est venu pour nous réconcilier. Déjà, tu as une image de Dieu biaisée. Tu es frustré, tu es peut-être en colère, tu es déçu. Je parle même à des chrétiens. Ton image de Dieu, c'est une mauvaise image. Ce n'est pas le Dieu qui a révélé Jésus. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et Jésus est venu pour faire cette alliance, les médiateurs, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Sois réconcilié avec Dieu. Des gens qui deviennent chrétiens, et dans leur cœur, c'est-à-dire leur état, ils sont réconciliés avec Dieu, mais dans leur cœur, il n'y a pas de réconciliation. Sois réconcilié. Jésus vient pour ça. Jésus est l'ultime médiateur, il est l'ultime révélation. Regardez, il donne la vue aux aveugles. Vous savez, moi, à la maison, quand je cherche quelque chose, puis je dis à mon... C'est fou le nombre de fois par semaine, je dis, chérie, où est telle affaire? Puis là, elle me dit, prends tes yeux de femme. Et je vous dis à chaque fois, ça me fâche, parce que là, j'ouvre le frigo, puis je dis, OK, où est le beurre? Puis elle dit, prends tes yeux de femme. Et là, ça me frustre parce que je sais. Elle dit, je vois le beurre d'ici. Puis moi, je regarde, puis le beurre se cache. Je vous dis, ça m'arrive, là, c'est... Puis je me suis dit, j'ai un blocage intellectuel. Dans ma tête, quelquefois, on dirait que je m'attends à trouver l'endroit à tel... La chose à tel endroit, puis ça bloque. Puis c'est fâchant, là. Le beurre est là, le beurre dit « Guétan, Guétan! » Il clignote, mais je ne le vois pas. Puis il y a des gens, tu ne vois pas ce que Dieu veut faire dans ta vie. Prends tes yeux de Jésus. Il est l'ultime délivrance. Il est l'ultime. Non seulement, il paraît dans un contexte de où les gens avaient besoin d'une délivrance physique, la plus grande des captivités, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Puis il y a des gens, encore une fois, il y a des gens, tu es ici, tu m'entends, mais tu n'entends pas. C'est comme tu vois, mais tu ne vois pas. Vous savez, lorsqu'il y a eu la déclaration d'émancipation pour libérer les esclaves, l'histoire nous dit qu'il y a des esclaves qui ne croyaient pas que c'était vrai. Il y a des maîtres qui mentaient à leur esclave, ils les tenaient captifs. Puis il y a des gens, tu es là, tu entends, mais en même temps, le diable continue de te dire, non, tu es lié dans ton péché, ça ne va pas changer, tu es captif, il n'y a rien à faire. Et Jésus t'annonce ta délivrance. Il est l'ultime délivrance. L'ultime délivrance. Quand tu as Jésus, tu as accès à une délivrance, une liberté infinie. Il est l'ultime gloire. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est intéressant parce que la Bible dit dans Jean 1 que Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Hébreux 1, 3 nous dit qu'il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Vous savez, dans cette période au Québec où on manque cruellement de soleil, appelez un petit peu de soleil, puis on est comme... Mais comment le soleil se rend à nous par ses rayons? Et la Bible dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Comment Dieu se rend à toi? C'est par Jésus. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop parler de Jésus. Parce que Jésus révèle le Père. Le Saint-Esprit va confirmer à nos cœurs que Jésus est véritablement celui qui l'a dit être. Et il est l'ultime nouveauté. Regardez, Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau. Pourquoi tu vis un christianisme réchauffé? Une vieille affaire. L'apôtre Paul parle du vieil homme. Mon pasteur, pasteur Turgeon, quand j'ai donné ma vie à Jésus, parlait du vieux bonhomme. Dans chaque personne ici, il y a un vieux bonhomme et une vieille bonne femme. Là, je suis tenté de dire, regarde la personne à côté de toi et dis-lui non, mais je ne le ferai pas. Le péché, le réchauffé. Jésus fait quelque chose de nouveau. Une nouvelle alliance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je fais toute chose nouvelle.
Je crée un nouveau ciel, une nouvelle terre. Jésus est l'ultime nouveauté. Et quand tu réalises tout ce que Jésus est, tu dis « Wow, gloire à Jésus! » Est-ce qu'on peut lui donner nos acclamations pour tout ce qu'il fait? Et regardez le verset qui suit, verset 10. « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau! » Pourquoi? Parce que Jésus fait une œuvre nouvelle. Il fait de nouvelles créatures. Il fait toutes choses nouvelles. Donc, nous avons besoin d'un cantique nouveau pour accoter la nouveauté de Jésus. Puis il y a des gens qui disent, Jésus fait du nouveau dans ta vie, mais tu as juste une vieille louange, une vieille prière, une vieille foi. Il est temps, mon ami, ce matin, le Saint-Esprit veut renouveler ta foi et ta louange en lui. Est-ce que je peux entendre « Amen » ? Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange depuis les extrémités de la terre. Que le désert et ses villes élèvent la voix, poussent des cris de joie, lancent des cris de triomphe, qu'on rende gloire au Seigneur et que dans les îles, on dise sa louange. Le Seigneur sort comme un héros. Il éveille sa passion jalouse comme un homme de guerre. Il lance des acclamations guerrières. Il pousse des cris, il triomphe de ses ennemis. Depuis toujours, je garde le silence, je me tais, je me contiens. Comme une femme en travail, je gémis, je suffoque et je suis haletant. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Ils reculeront, ils auront honte, ceux qui mettent leur confiance dans des statues, ceux qui disent à des idoles de métal fondu, « Vous êtes nos dieux. » Jésus transforme les idolâtres en adorateurs. J'étais un idolâtre. Et régulièrement dans ma vie, je suis, par ma chair, je suis porté à tomber dans l'idolâtrie, à trouver encore une fois mon bonheur, mon épanouissement, mon identité dans autre chose qu'en Jésus. Mais Jésus, fondamentalement, a fait de moi un adorateur. Peut-être que tu chantes mal, peut-être que tu danses mal, peut-être que tu n'as pas de rythme, mais tu es un adorateur si tu as mis ta foi en Jésus. Et ça me permet ici, oui. Ça me permet de faire quelques mots sur notre philosophie de la louange au portail. Nous, au portail, on pense que c'est important d'avoir une louange biblique. C'est-à-dire, régulièrement, la Bible parle de louer Dieu continuellement. Donc, pourquoi est-ce que 50% de nos réunions sont consacrées à la louange? Parce que la Bible l'enseigne d'un couvercle à l'autre. On veut que notre louange soit excellente. Le psaume 33 dit « Jouez bien de vos instruments ». Donc, on veut, oui, offrir une louange de qualité. On veut une louange surtout vivante. Jésus a dit « Viendra un temps où vous adorerez le Père en esprit et en vérité ». On veut une louange spirituelle, une louange dynamique qui est authentique. Et c'est pourquoi le mot d'ordre que je donne à notre équipe de louange, deux choses. On a deux cibles à atteindre à chaque dimanche matin. Premièrement, on veut un moment pour célébrer Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On pense que peu importe ce qu'on vit, puis il y a des gens, on vit des épreuves, on vit des échecs, c'est difficile, la vie n'est pas facile, mais on pense, la Bible dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc moi je dis à mon équipe, à chaque dimanche matin, ça prend un moment de réjouissance, un moment où on tape des mains, où on peut pousser des cris de joie, où on déclare notre foi, c'est une de nos premières cibles. La deuxième cible qu'on donne à notre équipe de louange, c'est qu'on a besoin d'un moment pour célébrer Jésus, mais un moment pour adorer Jésus. C'est-à-dire ce qu'on veut, un moment de réjouissance, mais on veut également un moment de révérence. Un moment où on connecte avec Dieu. Et vous avez remarqué le format de nos réunions, qui est un format atypique. C'est-à-dire, on commence justement dans la célébration. Et la célébration n'est pas pour nous un temps, une zone tampon qui permet aux gens d'arriver. On commence. Quelqu'un m'a dit, une des choses que j'aime au portail, c'est que vous commencez à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voler l'adoration et la célébration à Jésus. On ne veut pas couper là-dedans. Donc, on commence. Et pour nous, c'est vraiment important. Il y a le message. Et auparavant, on terminait avec le message. Et vous savez comment c'est souvent? Il y a les annonces, puis on fait le message à la fin, puis on termine. On devait couper parce qu'on a deux réunions, puis go! Là, on congédiait les gens. Pour moi, c'est un non-sens, donc on a changé parce que je voulais qu'à la fin de la prédication de la parole, qu'on ait un moment pour permettre au Saint-Esprit d'appliquer la parole à nos cœurs dans la louange. Donc, c'est un choix qu'on a fait, juste vous dire qu'il y a une intention derrière ça. Donc, c'est pourquoi au portail, souvent, le format peut être différent de ce que vous avez connu ailleurs. Petite parenthèse aussi sur le style. Le style, c'est un choix, c'est une question de préférence. Okay? On essaie d'aller mainstream, mais il n'y a pas de un style n'est pas sanctifié au détriment d'un autre. Tu peux faire du rap et glorifier Jésus. Tu peux faire du classique et être une abomination pour le Seigneur.
Donc, c'est vraiment une question de préférence. Et quelques des gens vont dire, par exemple, sont surpris parce qu'il peut y avoir une petite passe techno dans un chant. Nous, on croit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. On croit que Jésus est tellement grand qu'il absorbe tous les styles. Donc, peu importe les tendances. Donc, pour nous, ce que j'essaie de dire, c'est que le plus important, ce qui détermine l'impact de notre louange, ce n'est pas le style. L'essence de notre louange, c'est le fait que Jésus est élevé. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On prend 50% de nos réunions pour louer Dieu. Pourquoi? Isaïe nous donne la clé. Parce que Dieu donne la victoire dans la louange. Josaphat, à un moment donné, il y a un combat. Le roi Josaphat, on voit ça dans la chronique, il y a un combat à livrer. Et Dieu lui dit, « Ce n'est pas ton combat, c'est le combat de l'Éternel. Ce que tu vas faire, toi, là, tu vas louer, tu vas me louer, et je combattrai pour toi. » Maintenant, on doit comprendre que la louange, ce n'est pas juste quatre chants pour meubler le temps. La louange, c'est un moment où tu permets à Dieu de combattre pour toi. Je crois que la parole libère. C'est fondamental, c'est le centre de notre réunion, c'est le centre de notre foi, littéralement. Mais je pense que Dieu libère dans la louange également. Dieu donne la victoire. Le chrétien, écoute-moi bien, quelqu'un dit, le chrétien ne combat pas pour avoir la victoire. Pour la victoire, il combat dans la victoire. Parce qu'en Christ, tu es plus que vainqueur. Et il y a des gens, dans la louange, tu peux avoir la victoire sur ton angoisse, sur ta peur, sur ton péché, sur tes défis, simplement en déclarant que Dieu est plus grand que toute chose. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Également, on le fait parce que Dieu donne la vie dans la louange. Il dit comme un héros, Dieu dit, je suis comme un héros, mais je suis comme une femme enceinte. OK, ceux qui ont eu des enfants, là, est-ce que tu te réjouis seulement à la naissance? Moi, ma femme, elle me dit un jour, je suis enceinte. Je dis, on s'en reparlera dans 9 mois. Non, je me suis réjoui immédiatement, même si elle est enceinte. Et Dieu dit, voici, je suis comme dans la louange. Il y a comme un processus, elle est en germe, il y a une bénédiction, il y a des victoires qui sont là. Et on loue Dieu, même si on ne le voit pas encore, parce qu'on met notre foi en lui. Et c'est pour ça qu'on loue Dieu d'avance, parce qu'on sait que peu importe, Dieu demeure fidèle. Puis il y a des gens, tu as besoin d'apprendre à louer Dieu selon l'immensité de sa grandeur et pas selon l'impact de tes circonstances et de tes épreuves. On ne peut pas moduler notre louange en fonction de ce qu'on vit. Il y a une chose qui ne change pas, c'est Dieu. Et c'est pourquoi à chaque semaine, on se présente bon temps, mauvais temps pour lui dire « À toi la gloire Seigneur parce que tu le mérites. » Amen. Et Dieu donne la délivrance. Dieu donne la délivrance, je l'ai mentionné, dans la louange, il y a une œuvre qui prend place. Et plusieurs personnes de différentes églises se sont joints à nous dernièrement. Des gens qui, un, tu n'as pas d'historique chrétien, des gens qui arrivent, tu es juste nouveau. Et tout ça, c'est tout nouveau, c'est le cas de dire pour toi. Il y en a d'autres, tu viens peut-être d'une église où la louange n'était pas quelque chose d'important. C'est intéressant parce que dans le contexte ici, Dieu dit, je les mènerai dans un chemin nouveau. La louange, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose que tu dois apprendre. La louange, la prière, c'est quelque chose qu'on fait le dimanche matin, mais c'est simplement pour t'apprendre à le faire dans ton quotidien. Et tu dois apprendre. Il y a une puissance dans la louange. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment important parce que Dieu nous a créés pour sa louange, pour sa gloire. Et pourquoi est-ce que moi je veux louer Jésus dimanche matin? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été un idolâtre assez longtemps. Assez longtemps, là, j'ai adoré toutes sortes de choses dans ma vie sans m'en rendre compte. Et vous savez, le plus grand Dieu dans ma vie, vous savez c'est quoi? La plus grande idole de ma vie, c'est mon ego. C'est mon ego. Et savez-vous comment j'offrais, comment je nourrissais, comment je vénérais, j'adorais l'idole de mon ego? Puis même encore, c'est un piège aujourd'hui. Par mes plaintes. Écoute bien, ta plainte est la louange que tu offres à l'idole de ton égocentrisme. Ça, j'ai pensé à ça longtemps. On se plaint continuellement, mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, dire, « Seigneur, je refuse de louer les circonstances de ma vie, les épreuves de ma vie, je refuse de louer le diable, je suis un adorateur et c'est Jésus que je vais louer. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes vraiment d'accord, est-ce qu'on est d'accord qu'on ne va pas attendre encore 20 minutes pour louer Jésus? Est-ce que les gens, vous pensez que ça vaut la peine d'arrêter ce message et prendre quelques instants pour lui donner la gloire qui lui revient? Si vous êtes d'accord, levez-vous et acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on ne se gêne pas, on crie, on célèbre, on tape des mains,
On lève les bras, pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est un symbole de prière. Paul dit « élever les mains pures ». Donc, évidemment, nos mains ne sont pas pures en elles-mêmes, parce que nous croyons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais c'est pourquoi, et c'est un signe d'abandon. Donc, personne n'est obligé de le faire, mais ça fait partie de notre adoration également. Non seulement notre cœur s'élève, notre bouche, mais notre corps entier. Donc, on veut lui donner gloire. Amen. OK, on continue. On va essayer. Première section, on a vu, Isaïe nous parle que nous sommes idolâtres par nature. Donc, Dieu prend des idolâtres, en fait des adorateurs, et ces adorateurs les réunis, c'est le peuple de Dieu. C'est nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Et dans la section avec laquelle on va terminer, il parle du problème du peuple de Dieu, la solution du peuple de Dieu, la raison du peuple de Dieu. Donc, on reprend là où on a laissé, verset 18, chapitre toujours 42. Sourds, écoutez, aveugles, regardez, voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Qui est sourd comme le messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur du Seigneur? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as pas pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Le Seigneur a pris plaisir à cause de sa justice à rendre la loi grande et magnifique. Et voilà un peuple pillé, dépouillé. On les a tous pris au piège dans des fosses, cachés dans des maisons de détention. Qui parmi vous prêtera l'oreille à cela? Qui prêtera attention pour écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob? Donc, encore une fois, symbole, métaphore du peuple de Dieu, donc on le nomme selon son ancêtre. Qui a livré Jacob? Ceux qui le dépouillent, Israël ou Pillard, n'est-ce pas le Seigneur contre qui nous avons péché? Ils n'ont pas voulu suivre ses voies, ils n'ont pas écouté sa loi. Où s'est-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre? Celle-ci t'a embrassé de toutes parts, il n'a rien compris, elle l'a dévoré, il n'a pas réfléchi. OK, c'est quoi le lien avec ce qu'on vient de voir? Très simple. Notre problème, c'est que nous sommes des idolâtres. Dieu fait de nous des adorateurs. Donc, Jésus est venu pour prendre des idolâtres et en faire des adorateurs. Mais être un adorateur, ce n'est pas seulement chanter à l'église le dimanche, c'est d'avoir une vie à la gloire de Dieu. Amen. Et le problème du peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on n'applique pas. Et ça, encore une fois, dans Isaïe, serviteur fait allusion à plusieurs choses. Et dans ce contexte ici, encore une fois, on parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Et Jésus est l'ultime Israël. Jésus peut faire ce qu'Israël n'a pas fait, ce que nous ne pouvons faire. Et ici, le prophète revient, il cible, après avoir parlé du serviteur, de celui qui va venir de Jésus, il cible le peuple de Dieu pour démontrer que nous sommes faillibles, qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et voici la chaîne logique. Le serviteur mentionné ici, c'est le peuple de Dieu. Le peuple est aveugle et sourd. Pourquoi? Parce que le peuple lit, il entend la parole de Dieu sans l'appliquer. La parole de Dieu se résume à deux choses. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les chrétiens ont beaucoup de difficultés à aimer Dieu, mais à aimer son prochain, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ce qui nous distingue. Les gens devraient reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Amen. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, ainsi tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et ça me permet de faire un lien avec la vie de notre Église. Une des choses, dans les derniers mois, on a porté à mon attention qu'il y a plusieurs cas de mauvaises attitudes et des choses qui prennent place. Et j'ai aucun nom, donc sentez-vous à l'aise, c'est vous. Faites seulement vous repentir dans le secret, puis ça va aller. Mais dans le stationnement, il y a des gens comme... Vous savez, il y a des endroits où on n'a pas le droit de stationner, il y a des raisons. C'est arrivé, il y a eu des cas d'urgence, on a besoin que les ambulances arrivent. Et il y a des gens, vous dites, non, mais moi, je suis trop important, moi, je me stationne là au nom de Jésus. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. C'est comme, tu ne peux pas dire, j'obéis à la parole de Dieu, tu n'es même pas capable d'obéir à un petit règlement à l'Église. Et souvent, ce n'est pas juste ça, c'est que les gens font à leur tête, puis souvent, lorsque les placeurs, les gens dans le stationnement vont reprendre certaines personnes, ils se font, je vais employer un mot hébreu, ils se font engueuler. Moi, je dis, ça se peut pas à l'église le portail, ça se peut pas. Puis là, il y a des gens qui engueulent, des bénévoles qui font leur travail à moins 20, parce que nous, l'équipe pastorale, on leur donne une directive. Donc, c'est des gens qui se font engueuler, puis je me suis dit, bon, mais c'est arrivé juste une fois. Non. Puis je me suis dit, bon, mais les gens, ils feraient pas ça à l'intérieur de l'église. Il paraît que ça arrive aussi. Des fois, aux tables. Des fois, parce qu'il n'y a pas une bonne adresse sur un relevé ou parce qu'il y a une erreur. Puis les gens, tout à coup, ça engueule comme du poisson pourri, le bénévole qui est là. Clique, ils vont chercher leur enfant, c'est trop long, ça bardasse, le monsieur fait une crise. Tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu prétendre que tu vas obéir à la parole de Dieu dans notre monde si tu n'es même pas capable d'avoir une attitude chrétienne à l'Église? Et pourquoi je dis premièrement parce que je suis ton pasteur, je t'aime, donc je te confronte, mais en même temps, juste pour,
On doit protéger nos bénévoles. Vous savez, moi, à un moment donné, on fait affaire avec différentes organisations. Puis à un moment donné, il y a un leader de notre organisation qui était condescendant avec un de nos bénévoles. Ça n'a pas passé. Pourquoi? C'est des bénévoles. Au lieu de les engueuler, on devrait leur dire merci de te servir le dimanche matin. Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste, est-ce qu'on peut juste avoir une bonne attitude? Et si tu as un vrai problème, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu m'envoies un courriel à moi. OK? Tu as un vrai problème, envoie-moi un courriel à moi. Ça va me faire plaisir, sérieusement. Tu m'envoies un courriel. Mais s'il vous plaît, tout le monde, et je sais que c'est une petite minorité, mais s'il vous plaît, OK, soyons respectueux. C'est important de manifester l'amour, surtout lorsqu'on ne s'affoie pas. Puis là, des gens vont dire, oui, mais je suis dans mon droit. Peut-être, OK, si je doute que ce soit souvent le cas, mais supposons que tu as raison. Ton devoir, c'est quand même de faire grâce. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit « j'ai raison », c'est celui qui fait grâce. OK, on parle de différentes choses, on jase là. Dans plusieurs églises comme la nôtre, lorsqu'une église devient assez grande et les messages sont diffusés, on veut protéger, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de distraction. Donc souvent, dans plusieurs églises comme la nôtre, on empêche les parents d'entrer avec leur bébé. Au portail, on a dit « on ne veut pas faire ça, un bébé c'est la vie, tout ça, donc on n'en fait pas une loi ». Mais en même temps, on vous donne la liberté, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si tu arrives avec ton bébé, puis ton bébé commence à pleurer, tu as le droit de rentrer avec, mais si ton bébé commence à pleurer, dérange, tu as le droit de sortir également. Donc, s'il vous plaît, parce que il y a des parents qui ont un haut seuil de tolérance, tu dis « oui, mais moi, je suis habitué avec ». Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui tentent juste d'écouter le message. Donc, juste par respect, encore une fois, c'est que, on travaille en équipe. D'un côté, on vous dit, on ne fait pas une loi, c'est correct, les bébés, mais si votre bébé commence à s'agiter, s'il vous plaît, sortez. Puis là, c'est arrivé des fois, à un moment donné, où le bébé faisait le bacon, faisait des pirouettes, puis tout ça, puis il dérangeait, puis là, un placeur était gentiment, puis là, ça fait des crises. C'est comme, ce genre de truc, est-ce qu'on peut juste être sage, s'aimer les uns les autres, être raisonnable? Tu vois, si ton bébé, je sais qu'il y a une belle voix. Je sais, sérieux, moi, quand j'entends des enfants, je me dis, il y a de la vie. Je vous demande juste d'être responsable, de ne pas déranger. Si les autres, ça dérange les autres, bien peut-être d'être un bon croyant, de dire « je vais aller à l'extérieur des télévisions, puis on a des services pour vous ». Donc, mais on veut faire le meilleur le possible, mais beaucoup de gens qui disent « non, mais j'ai le droit ». On a le droit de s'aimer les uns les autres. OK? Est-ce que j'aurais d'autres choses à dire? Tu sais, les gens disent souvent « oui, mais moi, je suis ». Souvent, on est dans une société, c'est la consommation. « Je viens à l'église, servez-moi ». Écoutez bien, c'est agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable. Donc, juste qu'on s'aime les uns les autres, OK? Je continue, verset 43, chapitre 43, verset 1 à 7. Donc, vous allez dire, c'est quoi le lien? Mais je fais une capsule, mais c'est comme, en fait, c'est juste d'appliquer la parole de Dieu en général. Puis je me dis, si c'est un microcosme, mais si on l'applique à l'Église, bien, si on ne l'applique pas à l'Église, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à l'extérieur? Donc, ça va ensemble, OK? Je continue. « Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui te façonne, ô Israël, n'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » En passant, ça, c'est notre Dieu. « Après avoir donné une réprimande, il revient avec la grâce. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas, car je suis le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que je suis glorifié et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. De l'Orient, je ramènerai ta descendance et de l'Occident, je les rassemblerai. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils loin, mes filles des extrémités de la terre. Quiconque est appelé de mon nom et que pour ma gloire, j'ai créé, façonné et fait. Le problème du peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. La solution du peuple de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Trois choses. Premièrement, on parle du Dieu de grâce. Il dit « n'aie pas peur ». Pourquoi? N'aie pas peur dans tes défis, dans tes tentations, dans tes épreuves, parce que la solution n'est pas en toi, elle est en Dieu. Regardez, il dit « j'ai assuré ta rédemption, je t'ai appelé, tu es à moi, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, je suis avec toi, je te ramènerai, je dirai, je ferai pour ma gloire. » Et c'est encore vrai. Dieu, la solution, elle est en lui. Est-ce que je peux entendre « amen » à ça? Donc, peu importe ce que tu vis, après la réprimande, après les défis, après les tentations, après l'échec, la bonne nouvelle, c'est que oui, nous sommes incapables d'appliquer la parole de Dieu parfaitement dans nos vies, mais la solution, c'est la grâce de Dieu.
non seulement on parle du Dieu, de la grâce, on parle de la grâce de Dieu. Dieu te dit, alors que tu vas traverser les flammes de la tentation, alors que tu vas traverser les fleuves de l'épreuve, parce que ça va arriver. Dieu ne te dit pas, je t'épargne le feu, je t'épargne le fleuve. Dieu dit, tu vas traverser les flammes, tu vas traverser le feu, tu vas être éprouvé, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des difficultés dans ce monde, tu vas être chamboulé. Mais je te dis deux choses, je serai avec toi et je te préserverai. Ça, c'est notre Dieu. Et non seulement la promesse de la grâce est pour toi, elle est pour les tiens, elle est pour tes enfants. Il dit, je ramènerai tes fils, tes filles. C'est intéressant parce que Dieu dit littéralement, je ramènerai mes fils et mes filles. Dieu a plus à cœur tes enfants que toi, tu peux les avoir à cœur. Imagine. Toi, tu dis, oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver avec mon fils? Qu'est-ce qui va arriver pour ma fille? Qu'est-ce qui va arriver avec mon mari, ma femme? Puis Dieu te dit, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mes enfants et je vais en prendre soin. Amen. Et je termine, 8 à 13. Vous êtes mes témoins, déclaration du Seigneur, mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, que vous croyiez, que vous me compreniez, oui, que c'est moi. Avant moi, aucun Dieu n'a été façonné, après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi seul, qui suis le Seigneur. Hors de moi, Dieu parle de qui? Là, je pense qu'il parle de lui. Hein? Hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, il dit, ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes donc mes témoins. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un témoin. Déclaration du Seigneur, c'est moi qui suis Dieu. Depuis ce jour, c'est moi et personne ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Trois choses en rafale. Après avoir démontré que Jésus prend des idolâtres et les transforme en adorateurs, nous devenons le peuple de Dieu. Notre problème, c'est la parole de Dieu qu'on n'applique pas. Notre solution, c'est la grâce de Dieu. Notre raison d'être, c'est d'être des témoins de Dieu. Pourquoi c'est si important de pratiquer la parole de Dieu et de permettre à la grâce de Dieu de faire son œuvre dans nos vies? Parce que nous sommes ses témoins. Et regardez, Dieu dit, je veux que vous sachiez, croyez, compreniez quoi? Que vous êtes mes témoins. C'est pour ça que la grâce est fondamentale. Parce que Dieu ne veut pas laisser le péché te définir. Il veut que tu sois défini par sa grâce. Pourquoi? Parce que c'est sa réputation qui est en jeu. Est-ce que tu comprends que tu es la carte de visite de Jésus? Moi, j'ai croisé un neurochirurgien à un moment donné. Je lui ai demandé sa carte d'affaires. Il m'a donné sa carte d'affaires. Oh boy! Je ne me ferais pas opérer par ce médecin-là. Mal imprimé, tout croche, fait à la maison, coupé, c'est comme... Là, ça ne marche pas. Là. J'ai comme un neurochirurgien, une sommité mondiale, puis j'ai une carte boboche. Tout le monde sait ce que ça veut dire, boboche en hébreu? Ouais. C'est comme... Et la carte me faisait douter de sa compétence. Dieu ne veut pas que cette humanité doute de sa compétence. C'est pourquoi il te définit non par ton péché, mais par sa grâce. Il dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Et comment, vous savez, on parle beaucoup d'évangélisation. Comment Dieu fait en sorte d'attirer des gens à lui? Écoute bien ça, ça c'est bon. Tout ce qui est distinctif est attractif. Bon, c'était peut-être pas si bon que ça après tout. Moi, c'est le genre de jeu de mots que je trouve fort. Pourquoi? Parce que si nous sommes un peuple sans grâce, l'humanité est définie par son péché. Ce qui fait la différence, ce n'est pas notre sainteté, notre moralité qu'on est supérieure, c'est la grâce de Dieu. Et ça, ça donne le goût aux gens de suivre Jésus. Parce que si on est tous pareils, s'il n'y a pas de différence, à quoi ça sert d'être chrétien? OK, t'es arrivé quelque chose de drôle ce matin. Pasteur Denis, viens me rejoindre. Dale, est-ce que tu m'entends? Viens me rejoindre, s'il te plaît. OK, venez-vous-en, les gars. J'arrive, on a un meeting avant la réunion. Les petits points, c'est quand? OK? Bon, moi j'ai le modèle original. Mais là, on arrive, puis c'est comme, on est pareil. Puis là, Dale me dit, on est pareil. Puis, non. Moi, j'aime me démarquer. Tout ce qui est distinctif est attractif. Merci, les gars. Vous allez vous en rappeler. Maintenant, en Jésus, où sont tes bas oranges?
Où est la différence dans ta vie? OK, est-ce que vous avez compris le principe? Dites gloire à Dieu si vous êtes là. Amen. OK, pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre. Parlant de témoignage, la semaine prochaine, nous avons un baptême d'eau. On a décidé de le faire comme la dernière fois, un baptême spontané. Pourquoi? Plein de raisons en 30 secondes. Premièrement, parce qu'on pense que c'est biblique. Deuxièmement, le message que je prêche est toujours un message radical. L'idée, ce n'est pas d'avoir un grand nombre. L'idée, c'est que ça soit clair. Donc, si tu as accepté, tu as mis ta foi en Jésus, dernièrement, tu n'as pas passé dans les eaux du baptême. C'est important de le faire parce que le disciple de Jésus immerge. Le baptême, c'est quoi? C'est un témoignage extérieur d'une œuvre intérieure. Lorsque tu te fais baptiser, tu vas dans l'eau, on te ressort, c'est le symbole de la mort et de la résurrection en Jésus. Jésus m'a donné une nouvelle vie, il m'a pardonné, il m'a transformé. Ce qui me définit, ce n'est pas mon péché. Je suis mort avec Christ, c'est la grâce de Jésus, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est ton cas. La semaine prochaine, amène maillot, amène serviette, invitez des amis. C'est toujours une réunion vraiment où Dieu se manifeste et... Ce qu'on vous garantit, encore une fois, nous, on ne contrôle pas l'œuvre de Dieu, on ne contrôle pas les noms, on ne manipule pas. Ce qu'on vous garantit, vraiment, message, la bonne nouvelle de Jésus, et on prie que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Et une belle occasion, premièrement, c'était ici. Un, tu m'entends, tu n'es pas baptisé, tu as mis ta foi en Jésus, c'est vraiment, il faut que tu le fasses, c'est important. Honore la parole de Dieu, tu vas voir, Dieu va honorer. Et encore, je me répète, mais c'est une belle occasion, gardons pas la bénédiction pour nous. Le meilleur témoignage pour notre monde, c'est de voir des hommes et des femmes ordinaires touchés par Dieu, qui décident de suivre Jésus. Donc, pourquoi on le fait comme ça? Justement parce qu'on ne veut pas faire un baptême fermé entre nous. On veut vraiment que ce soit un témoignage à la gloire de Jésus. Donc, faites-vous baptiser, si ce n'est pas le cas, invitez des gens. Et surtout, s'il vous plaît, Église, priez. On prie, on veut vraiment, encore une fois, on veut pas que ce soit juste un mouvement de foule comme toujours. On veut que ce soit le fruit de la nouvelle naissance, quelque chose d'authentique, de vrai. Des gens qui disent « Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné, tu m'as délivré. » Donc, la semaine prochaine, baptême d'eau. Amen? OK, et Isaïe termine. Non, mais je vais lire le verset et je m'en vais, c'est tout. OK, verset 14. « Ainsi parle le Seigneur, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone. Ne vous rappelez pas le passé. » Donc, il dit en fait, la délivrance de Babylone, là, c'est du passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau. Dès maintenant, cela germe. Ne le savez-vous pas? Le peuple que je me suis façonné dira ma louange. Bon, on va le refaire. Est-ce que vous êtes prêts encore à louer Jésus? Amen. Levons-nous.